je suis en train de nettoyer mes lunettes. Ça fait longtemps que j'ai pas parlé face caméra et j'avais envie de faire un truc un petit peu à la cool. Enfin, j'ai l'impression que ça fait longtemps, je sais pas en fait. J'avais envie de faire un petit truc à la cool comme ça où je te raconte un petit peu ma vie, ce qui s'est passé dans ma vie depuis le début de l'année. Parce que t'as pu être un peu perdue, parce que je suis partie au Canada, j'ai fait des trucs très très cool. Et cette année est plutôt merveilleuse et j'espère que ça continue sur cette lancée. Donc je te raconte un petit peu tout ça. Et voilà, on est bon comme ça. Commençons par le commencement. Si tu suivais mes vidéos depuis l'année dernière, tu as su qu'en septembre j'avais commencé une année de fac en droit, économie, gestion, enfin surtout économie, gestion, et que ça. Enfin, je n'avais pas dit que j'avais arrêté clairement, mais en gros j'ai arrêté la fac parce que ça me plaisait pas, je trouvais ça beaucoup trop général. Et c'était pas une question de notes parce que j'avais des très bonnes notes, mais c'était vraiment pas mon truc quoi. Donc j'ai préféré arrêter. Ça a été un peu difficile comme décision parce qu'en fait j'avais des bonnes notes, donc on est un peu dans une société où genre si t'as des bonnes notes tu dois faire des longues études de ouf et voilà. Mais alors là je me sentais tellement pas dans mon élément. J'avais l'impression d'être entourée vraiment de PIB et de profit et d'économie et de. Enfin logique tu vas me dire, mais on parlait vraiment que de PIB quoi. PIB, 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 profit. Alors que je considère qu'il y a tellement d'autres choses qui font la richesse d'une société ou même d'une personne que l'argent qu'il possède quoi. Donc j'ai préféré arrêter et j'ai trouvé un petit travail de 2 mois qui m'a permis de gagner un petit peu d'argent et donc de financer mon voyage au Canada. Donc pour aller rejoindre Jules qui est depuis le mois de janvier. Donc j'y suis allée début mai. Je suis revenue début juin. C'était trop 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 cool. Tu as dû voir ma dernière vidéo. Enfin, c'était pas ma dernière. Ma vidéo à ce propos. Ma petite sœur chante encore. Elle chante tout le temps. On ne l'arrête plus. Ensuite, je suis rentrée de Montréal et j'ai commencé mon travail d'été. Que je vais continuer cet été, évidemment, comme son nom l'indique. Donc je travaille dans l'événementiel, je tiens des stands, tout ça, tout ça. C'est assez sympa. Je rencontre des gens et j'aime rencontrer des gens. J'ai oublié de dire un truc aussi, avant le Canada, je suis partie à Majorque, mais t'as dû le voir aussi. C'était petites vacances. C'était des petites vacances en famille avec mes parents et mes sœurs et c'était absolument magnifique. Il y avait des paysages, mais tellement ouf. Je crois que j'avais jamais vu une mer aussi transparente. Tu sais, elle est cool cette chaise, genre je peux faire des petits tours. Avec ce nouveau travail justement, j'ai pu rien du tout. J'avais juste 4 jours de repos à la suite. Et j'en ai profité pour partir à Paris pour voir Andrea de la chaîne, j'allais dire du blog, Le Renard et les Raisins. Que j'avais fait une collaboration avec elle, la vidéo sur pourquoi ne pas manger, pourquoi ne pas consommer d'œufs. Donc si tu n'as pas vu cette vidéo, elle sera évidemment comme d'habitude dans le petit et dans la description. Et si tu ne connais pas Andrea, son blog sera également dans la description. Et c'est absolument génial. Depuis le temps que je voulais rencontrer Andrea, on a tellement parlé de sujets qui me tenaient à cœur et je sais même pas quoi dire, tellement je la trouve merveilleuse. On a beaucoup parlé évidemment de véganisme, de féminisme, de minimalisme, de zéro déchet, et surtout de féminisme, et c'était quelque chose dont je voulais vraiment parler avec elle. Et voilà, c'était génial. Moi à la base, je devais aller la voir à Bordeaux, mais en ce moment, elle est en stage à Paris. Donc je suis allée la voir à Paris et j'en ai profité pour m'empiffrer et me remplir le ventre de bouffe vegan et de pâtisserie vegan qui était absolument merveilleuse, que tu verras sûrement dans un vlog, enfin un vlog plus ou moins un vlog, voilà la semaine prochaine je pense. J'ai aussi revu Jérémy, un ami qui en avait passé des vacances. Et tu peux retrouver le vlog de ses vacances sur la chaîne de Sabine, de la chaîne Cours, ma petite Sabine que j'aime d'amour. Mais là, je te renvoie à beaucoup de choses et tu vas pas emmagasiner toutes les infos là. Ok.
Et tu te demandes peut-être ce que je vais faire après. Donc je vais faire un BTS Management des unités commerciales. En apprentissage, enfin je suis encore en recherche de patron d'apprentissage. Je voudrais le faire dans le domaine du zéro déchet parce que c'est genre le truc qui me fait lever le matin avec le véganisme. Et c'est tellement en accord avec mes valeurs que ce serait parfait. Donc je serai sûrement majoritairement à Nantes ou chez mes parents. Et ensuite, je voulais te parler de petits projets que j'ai en tête et te poser des petites questions. Voilà, donc si tu veux me répondre, ce serait cool. Notamment, ma première idée, ce serait de faire une chaîne que pour les recettes. Mais d'un côté, je me dis que ça va être chiant. Il y a des avions qui passent. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Oh! Il y a un bruit bizarre. Je disais que je pensais à faire une chaîne YouTube, une deuxième, pour présenter juste les recettes parce que. Enfin, je sais pas. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée de séparer les recettes du reste de ma chaîne? Parce que j'ai l'impression que c'est pas ce qui se regarde le plus sur cette chaîne-là et peut-être qu'une chaîne vraiment dédiée à ça. Ça permettrait aux gens qui regardent que ça de vraiment avoir que ça et aux autres que ça saoule un peu de ne plus en avoir du tout. En attendant, tu peux retrouver aussi sur mon blog que j'ai lancé il n'y a pas longtemps, le petit blog de Leslie. Tu peux retrouver plus de recettes que sur ma chaîne et des recettes écrites donc tu peux garder. Enfin, c'est peut-être plus accessible, les gens sont plus habitués à cuisiner avec une recette. En fiche qu'une recette en vidéo, même si ça fait toujours plaisir une recette en vidéo parce que bah, ça donne envie. Il y a les images et tout, et je fais des food porn, voilà. Autre projet, un projet sur lequel on travaille avec Jules et qui me tenait à cœur, enfin, c'est surtout lui qui travaille dessus, ça s'appelle Ilmaris. Et je voulais en parler parce que c'est un projet sur lequel il travaille depuis un moment. Et il compte encore travailler dessus. Il est en train d'écrire un livre. Oui, Jules est en train d'écrire un livre. Chose que je n'aurais jamais imaginée en le rencontrant. Mais il est vraiment en train d'écrire un livre. Et donc moi, je suis chargée de la partie relecture et de lui dire ce qui convient pas, ce qui n'est pas compréhensible. Et de corriger les fautes. Parce qu'il faut quand même quelqu'un pour faire ça. Tu peux en savoir plus à propos de ça sur sa chaîne à lui. Moi, je vais pas trop le développer ici, mais si le projet t'intéresse, c'est très très cool. C'est un univers qu'il a créé de toutes pièces et j'ai trouvé ça assez incroyable. Un univers plutôt fantastique où il a créé une planète, il a créé des personnages, il a créé une histoire et il a plein de projets après par derrière si ça fonctionne, ce qu'on espère très très fort. Il en parle sur sa chaîne, donc tu peux aller voir sa chaîne Jules et compagnie, qui sera encore dans le petit et dans la description. Tu vas avoir beaucoup de choses dans la description de la vidéo. Et la dernière chose dont je voulais te parler, c'était d'une FAQ. Enfin, je sais pas trop en fait. Ça fait longtemps que je voulais lancer une FAQ parce que je trouve ça cool. Ça permet vraiment d'avoir une interaction et de confier des choses que je pense pas, dont je pense pas forcément à parler, de répondre à des questions. Voilà. Tu peux me poser tes questions, que ce soit des questions un peu perso, des questions sur le véganisme, des questions sur le zéro déchet, sur le minimalisme, me proposer des idées de vidéos, même si j'en ai déjà plein. Tu peux juste me faire des bisous, parce que les bisous, c'est cool. Si tu as des questions, pose-moi tes questions, moi ça me ferait plaisir d'y répondre. Mais si t'en as pas, bah, c'est pas très grave. Parce que je n'attends rien de toi, comme ça je serai pas déçue. Ne pas trop attendre de choses des gens, comme ça on n'est pas déçue par la suite. Sur ce, je te fais des gros bisous. Je t'envoie plein d'amour et de bienveillance. Toi aussi, partage plein d'amour et de bienveillance autour de toi. Et moi, je t'aime très 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 fort. Bisous.